Ensemble, organisation politique de l'opposition a salué la presse parlée, écrite et télévisée. Et spécialement, nous avons salué toute presse en ligne. Nous disons, messieurs, dames, presse en ligne, toute presse qui a respect pour nous. Merci. Maintenant, ensemble, organisation politique de l'opposition, profitez, venez devant micro la presse pour nous venir parler avec la population. Premièrement, ça n'a pas dit avec la population. N'a pas dit mandat Jovenel Moïse rivé à thème. Ça, c'est le premier bagage n'a pas dit avec la population. Mandat Jovenel Moïse rivé à thème. Deuxième bagage n'a pas dit avec la population. N'a pas dit article 54. Si vous prenez, nous dit qu'il faut qu'il respecte. Parce que je dis à ces constitutions 1987 amendée, nous dit qu'il faut l'article ça respecté à la lettre. Troisièmement, nous dit à la population, captain de nous, national comme international, nous dit après 7 février 2021, tout ça qui passe dans le pays, caïboulé, moun mouri, pays écrasé, déchoukaï, tout sous compte Jovenel Moïse, nous-mêmes dans ensemble organisation politique de l'opposition qui a parlé de petit d'antan pour la population, nous dit nous pas responsables. C'est dans ce sens, nous avons demandé avec toute organisation populaire, organisation progressiste, organisation politique, parti politique qui peuple la loge, nous dit moment arrivé. Tête collée à fait, définitivement pour nous, seule solution, c'est aller Jovenel Moïse dans le palais national. Je dis à nous dit, toute organisation, prenez ce nous en main, baillez nous sécurité, parce que son pays qui pague président, qui pague sénateur, qui pague député, qui pague magistrat. Je dis à tout le monde, même lors des journalistes, ou des machins, ou des chauffeurs moto, ou des chauffeurs machines, c'est baiter tout sécurité. Et je dis à nouveau message clair, nous avons avec tout dirigeant politique nous sommes cités. Jovenel Moïse, une mission avant 7 février pour arrêter nous pas bonne et pas paquette. Et je nous dis à lui préparer sereine pour nous. Li prépare sereine sida, li prépare sereine coronavirus, li prépare sereine gratel, li prépare toute sereine pour nous, le yo arrête nous, côté nous aller dans le commissariat, côté nous aller, pour capable tuer nous par bande et par paquet. Et bien, devant la presse parler, écrit de télévisé, nous disons, Jovenel Moïse, ou bien, 7 février, pas de petit crasse qui a sauté là-dedans. Pas un petit crasse qui a sauté là de Jovenel Moïse. Jovenel Moïse encore nous doit bien. Parce que nous dit article 134 dans la Constitution, tiré 2, nous dit la respecter à la lettre. C'est dans ce sens ça, nous même dans ensemble organisation politique de l'opposition, nous dit que les chiens, que les grenouilles, je ne passe le passé, je ne allais aller. Grenadier à la sœur, ça qui mourit. N'a mangé yo. Et puis nous dit parole, nous, c'est conviction nous. Merci la presse. Nous saluons la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne. L'ensemble des organisations politiques de l'opposition présentées devant la presse matin pour nous annoncer avec le peuple haïtien bataille pour faire respecter la loi, pour faire respecter la constitution, pour retourner à l'ordre constitutionnel là. La continuer parce que aujourd'hui, nous constatons la sécurité de chaque grain haïtien menacé. Côté c'est l'État central qui est en tête de Jovenel Moïse. Jude Joseph, eh bien, qui a baillé bandit licence, qui a baillé bandit baptiste, eh bien, pour fonctionner. Donc, aujourd'hui, à tout le monde constate à l'ennemi, c'est bandit qui a nommé directeur général. C'est bandit qui a nommé ministre. Ça veut dire qui ça?
Journée aujourd'hui en 2021, ça prouvait clair coup de coq, peuple haïtien a fait face à qui on l'État voyou, à qui on l'État juisseur, à qui on l'État imposteur, à qui on l'État voleur, à qui on l'État kidnappeur. Donc je dis à la question kidnapping d'État, personne en Haïti pas épargné. Parce que phénomène kidnapping, non, son phénomène donc qui décapitalise le monde sur le plan économique. Mais son phénomène tout qui déshumanise chaque grain de femme nous gagne dans le pays d'Haïti. Parce que les kidnappés, les bandits violés. Eh bien, nous-mêmes dans l'ensemble des organisations politiques de l'opposition, nous voulons parler avec tout secteur dans la vie nationale, là, avec chaque grain haïtien, indistinctement, je dis. Hein. Pour nous dire, à partir du 31 janvier 2021, il y a une seule façon ou gagner pour combattre la question kidnapping d'État, c'est camper des barricades. Parce que barricadou, c'est unique arme, c'est unique outil que vous gagnez pour combattre la question kidnapping d'État. Parce que si vous pas décidé de combattre le kidnapping d'État, eh bien, kidnapper, il y a dansé sous vous, il y a dansé sous madame, il y a dansé sous petit tout. Eh bien, je vous dis, les nous camper des barricades, nous pas besoin de prendre pression dans la police qui vient tirer sur nous. Yon policier qui décide de tirer sur yon moun qui kapè des barricades li, kap manifeste contre kidnapping, eh bien son kidnappeur ou bien son comploteur. Donc je vous le dis, nous lançons un message solennel à Léon Charles. Donc comme ancien criminel qui était déjà fait plusieurs massacres Front National en 2004-2005, pour nous dire je dis, l'État voyou ça, peuple haïtien, pas tolérer. L'État criminel, l'État kidnappé ça, eh bien, moment arrivé, à partir de 7 février 2021, pour nous finir à bagarre ça net, une fois pour toutes. Eh bien, nous avons peuple haïtien, barricade là, c'est celles âmes qui ont gagné parce qu'on va gagner Galil, ou pas gagner 9 mm. C'est barricade pour camper derrière, parce que kidnappé, ils n'ont pas voulu parler de barricade, parce que là, qu'il y a des barricades, donc, on kidnappe pas qu'à sortir nos zones pour le traverser pour aller dans l'autre zone pour venir kidnapper moun. Eh bien, nous dit, à partir du 31 janvier jusqu'à 7 février 2021, pays a coude. Pays a doué coude. Parce que je vous dis, peuple a dit, question kidnapping, il faut que fini. Question insécurité, il faut que fini. Pas de droit de question, négab distribuer les âmes. Tribo babo. Bye bandit, bye criminel pour faire la loi dans le pays d'Haïti. Eh bien, nous dit, c'est mobilisation générale sur tout le territoire national. Là. Merci la presse. Ensemble, organisation politique opposition, je dis encore, venu présenter dernière tranche, calendrier activité politique dans le cadre de mobilisation sans prendre souffle. Jeudi à la, nous croyons qu'il est le temps pour que nous disions dernier combat. Dernier combat parce que il y a un combat qui vous permet de nous mener vers la victoire finale. Nous avons commencé à partir de dimanche 31 janvier 2021, grosse mobilisation, manifestation sur tout le territoire pays d'Haïti. Une manifestation au cap à campé. Au cap à campé. Tigouave, Gogouave, Jamel, c'est ma gonaïve. Tout a plevé campé. Jusqu'à dimanche 31 janvier ça. Mais n'importe où, il y a un seul site que nous, Kembe, pour aujourd'hui à là, c'est place Boyer-Pétionville. Moun cap sorti. Cité Soleil, La Saline, Croix des Bouquets, Tabac, Delma, a monté venir rejoindre en foule, place Boyer-Pétionville. À 18h, nous avons sonné l'ambi rassemblement pour nous démarrer manifestation. Nous avons descendu par rue Lamar, rue Panaméricaine,
Boudon, Lalu, Ricapois, pour nous faire Chonmas, et de Chonmas, pour nous épapier partout, dans tout coin palais national, pour nous parler avec Jovenel Moïse, pour nous dire à Jovenel Moïse, jour compté, les arrivés, 7 février, pour quitter le pouvoir. En même temps, ensemble des actions politiques de l'opposition, dit-il appuyer la Corée de journée de grève syndicale. Deux journées de grève syndicale, c'est lundi 1er, mardi 2 février. Nous disons que nous avons supporté, nous avons kembé ensemble avec eux. Mais c'est deux journées de grève générale syndicale, chauffeurs, professionnels, moto, etc. Mais, trois journées de grève générale, ensemble avec l'organisation politique de l'opposition, ville présente la journée à la. Trois journées de grève générale, ça, c'est trois journées de grève de politique. Et nous disons politique, ça veut dire que c'est tout le peuple qui est concerné, société civile est concerné, secteur religieux est concerné, protestants, vaudouisants, pas l'église a fermé, pas ton gagnant, premier ici a fermé, l'école a fermé, factory a fermé, tout côté net sur tout territoire national là, c'est chita la canou pour nous dire non à kidnapping. Non à insécurité, non à impunité, non à voler, non avec pouvoir peser sur ça, pouvoir anticiper pour changer ça. Et pour nous dire non avec régime PHTK, non avec système peser sur ça. Trois journées de grève générale politique, ça, mettez sous deux journées grève syndicale, fait cinq journées. Ça veut dire que à partir du premier, pays a fermé. Pas bien l'école, tout si monde est la caille nous. Factory a fermé. Tout le monde a fermé pour nous porter une seule revendication, pour nous dire avec la communauté internationale là, le peuple en général, rejeter pouvoir PHTK, rejeter Jovenel Moïse, il n'est pas président encore, et le président mandat fini 7 février 2021. Mais dit que, je vous laisse ça, il y a un spécial, il y a un historique pour tout le peuple haïtien. Jean Kamado et Dieu se dit, eh bien, peuple haïtien, la prédestination nous-mêmes, c'est nous qui prenons balle réelle, prenons gaz à lacrymogène, qui allons en prison. C'est facile, c'est nous qui allons dans la rue, c'est nous qui allons demander transition. Et lorsque Jovenel Moïse a présenté le discours d'adieu le samedi 6, eh bien, le dimanche 7, pour que le nouveau président qui a sorti dans le coup de cassation, qui va prendre le pouvoir pays d'Haïti pour nous carrer le souffle dans la transition. Ça. Merci à la presse.